vos achats lecture et c'est parti. J'ai fait quelques achats Vinted sur le compte de Flighty Missa qui avait mis quelques séries de romans de chez De Saxus en édition reliée à vendre et je lui ai pris et je vous montre ça de suite. On commence avec les 3 volumes de Crescent City. J'ai entendu énormément de bien de cette série. On est sur de sacrés gros pavés, comme vous pouvez le voir. De très très belles éditions reliées pour ce titre. Je pense que c'est le tome rouge qui me plaît le plus. Mais franchement, ils sont tous superbes. Vous m'avez tous dit que Crescent City était un immanquable à lire. Et donc, je lirai ça quand j'aurai un moment. J'ai ensuite pris les 3 volumes de cette série, donc le royaume des damnés, le royaume des maudits et le royaume des infernis. Celui-là est particulièrement beau. J'ai lu du très positif comme du très négatif sur ce titre et écoutez, j'avais envie de me faire mon avis, donc j'ai profité qu'elle vende ces tomes d'occasion pour avoir une chance de les découvrir. On passe chez Rajo avec le roman Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires, un complément de la trilogie du peuple de l'air. Pour le moment, je n'ai lu que Le prince cruel, mais j'ai 2 autres volumes dans ma pile à lire et je lirai celui-là par la suite. J'aime beaucoup parce que c'est un titre qui est illustré, comme vous pouvez le voir, et que je trouve très 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 joli. J'avais hâte de le découvrir et de prolonger un petit peu plus l'aventure du prince Cardan. On termine avec un manga, il s'agit du second et dernier volume de Flowers for Vincent, édité chez Nouvelle Hydre. Ce titre avait déjà été publié chez H2T, j'avais eu le premier volume mais je ne l'avais jamais terminé. Je profite de cette nouvelle édition en grand format chez Nouvelle Hydre pour découvrir la suite et fin de ce titre. J'ai beaucoup apprécié le premier tome et je suis curieuse de lire la finalité. Et voilà pour ces quelques achats lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent.